Good morning, allez, Iden, les titres aujourd'hui, le Lunishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah bat Hanan Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que Nirfuat, Sarah bat Beti Rivka bet Orchar, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah contre le Saint-Élect éternel, nous étudions la Sechet Menachot Perik Yudef, Mishnah Hei. Ashulchan Oroko Asara, Verochbo Chamisha. Lechem Apanim, Orokan Asara, Verochban Chamisha. Noten orko keneged rochbo shel shulchan vekofel tfachaim umechatsa mikan utfachaim umechatsa mikan nimtsa orko memale kol rochbo shel shulchan divrei rabbi yehuda. Rabbi Meir omer shulchan orko 12 verochbo 6 lechem apanim orko 10 verochbo 5 noten orko keneged rochbo shel shulchan vekofel tfachaim mikan utfachaim mikan טפחיים רווח באמצע, כדי שתערוח מנשבת ביניהם. אבא שאול אומר, שם היו נותנים שני בזיחי לבונה של לחם הפנים. אמרו לו, ולא כבר נאמר, ונתת על המערכת לבונה זקה. אמר להן, ולא כבר נאמר, ועליו מתה מנשה. Là, on va commencer à parler concrètement du לחם הפנים, comment il était disposé sur la table. D'abord, très succinctement, au Beth Amigdash, on a déjà dit dans le Echal, à part le. C'est-à-dire, quand on entrait dans la Zara, alors il y avait. On rencontrait tout de suite le très gros Misbeach, le Misbeach à Ola, d'accord. Il faisait 10 amot de haut. Ensuite, derrière, il y avait, plus profondément, il y avait le Echal. Le Echal, c'était un endroit fermé, cette fois-ci, où il y avait un toit, en vue d'arriver au Kodesh HaKodashim. Il y avait la pièce la plus interne, c'est-à-dire qu'on entrait dans le Echal. On entrait tout d'abord dans le Oulam, c'est un hall d'entrée. Après, on arrivait dans le Echal, concrètement. Où là-bas, il y avait le Misbeach HaZahav, il y avait la Menorah, et il y avait le Shulchan, la table que l'on va parler tout de suite. Et après, il y avait derrière ça, encore un rideau, et on entrait dans le Kodesh HaKodashim, là, le lieu le plus saint, où il y avait le Kohen Gadol, qui entrait une fois par an là-bas, pour asperger le sang à Yom Kippour, la grande avada de Yom Kippour. Maintenant, on va s'intéresser au Shulchan. Il y avait cette fameuse table qui était en or, qui faisait une amma de large, deux amotes de long, donc deux amotes sur une amma, et qui était en fait, sur elle, on allait poser 6, 12 pains. 2 fois 6, d'accord, 12 fois 6, on avait appris hier que ces pains, ils mesuraient c'était le Yahaz 10, 5, 7. D'accord. C'était des grands pains. On va tout de suite expliquer comment ça se passe. Il y en avait 6. Pour pouvoir les mettre un sur l'autre, il fallait surtout pas les mettre un sur l'autre parce qu'il faut qu'il y ait de l'air qui passe pour ne pas que ça pourrisse, que ça moisisse. Donc en fait, il y avait pour ça, pour bien les disposer, il y avait deux sortes de poteaux en bois recouverts d'or. Ça faisait 4 autour de la table. Ou dedans, comme on va voir dans la prochaine Mishnah, où il y avait un dispositif pour pouvoir mettre les pains de manière à ce qu'ils ne vont pas s'écraser l'un et l'autre. D'accord? C'est le principe général. Maintenant, je reviens sur les mesures de la table, et c'est ce que la Mishnah commence par me dire. Hashulchan, oroko asara verochbo chamisha. La table du Beth Amigdash, qui avait à l'intérieur, sa longueur était de 10 tfachim, et sa largeur de 5 tfachim, puisque une ama, c'est 5 tfachim. Ça en réalité une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ce qui va faire l'objet de notre Mishnah. Pour le moment, on va selon l'avis qui est pour le moment donc Rabbi Yehuda, qui pense qu'une amma, c'est 5 tfachim. Et de ce fait, puisque une amma, c'est 5 tfachim, donc quand je te demande de mettre 2 amot de long, ça va faire 10 tfachim, 10 sur 5. Donc Ashulchan Orko Asara Verochbo Chamisha. Sa longueur est de 10 tfachim et sa largeur est de 5 tfachim. Et les Rem Apanim, et les fameux pains, donc les pains avec les faces, puisqu'il y avait ce petit coin qui est monté qui se regardait, eh bien eux, Orkan Asara Verochban Chamisha. Comme par miracle, eux aussi leur longueur était de 10 et leur largeur était de 5. Sauf que on ne les mettait pas pour... C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une table. Retenez, une table qui fait 10 sur 5,
Et des pains qui font 10 sur 5. Mais sauf que les pains, on ne le prenait pas, on le posait entièrement sur la table comme ça, pas du tout. Il fallait le mettre de travers. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait deux fois deux séries de pains à mettre. Donc on mettait le long sur le large, et le, d'accord? En tête bêche. Donc, les remapanim, orko, asara, verochban, chamisha, venote, donc, les remapanim, les pains du Shabbat, leur longueur faisait 10 et leur largeur 5. Donc, noten orko, keneged rochbo, il donne la longueur, il place la longueur en direction de la largeur, keneged rochbo, en direction de la largeur, chez le shulchan de la table. Là, je vous explique, c'est très simple. On a retenu 10 sur 5, c'est la taille de la table. Sur cette table-là, qui fait donc 10 sur 5 de large, je dois mettre deux pains, deux séries de pains, que eux aussi font 10 sur 5. Les pains, ils ne doivent pas dépasser. Donc, je dois prendre chaque pain et le tourner. Or, ça dépasse, puisque maintenant que je l'ai tourné, dans la largeur, il n'y a que 5, et lui, la longueur, elle est de 10. Donc, quelle est la solution? La Mishnah enseigne, ben on va prendre les pains, qu'on va les fabriquer, on va a priori les faire comme ça. On va prendre, c'est vrai qu'ils vont faire une longueur de 10, mais ensuite on va les replier les deux bords, de manière à ce que maintenant, donc il va y avoir, tu vas les replier, tu vas faire 2,5 d'un côté, 2,5 de l'autre, donc tu as supprimé 5, et il s'avère que maintenant ton pain il fait concrètement 5 de large, avec en plus de ça une hauteur de 2,5, puisque sur le côté où ça monte, d'accord? Ouais, imaginez, vous prenez 10 comme ça, vous pliez comme ça, d'un côté vous cassez, de l'autre côté vous cassez, vous allez avoir donc 5 de large, avec 2,5 qui monte, 2,5 qui monte. Et comme ça, on va pouvoir prendre maintenant le pain et le mettre, on va le tourner, et on va mettre d'un côté, et de l'autre côté, on va mettre la deuxième série aussi, on va avoir deux pains comme ça. Mais kofel tfachayim omer tsa mekan, mekofel omer tsa mekan. Donc nimtsa orko, memale kol rochbo, shel shulchan. Il s'avère que la longueur du pain remplit toute la largeur de la table. Et mieux que ça, même, je rajoute sur ça. Et que puisqu'on a deux séries de pains, donc toute la table elle est parfaitement recouverte avec deux pains. Divrei Rabbi Yehuda, tel avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, non. Ashulchan orko shnemasar verochbo shisha. Selon Rabbi Meir, la table avait une taille de 12 tfachim, 12 points. Et d'une largeur de 6. Pour quelle raison? La mesure explicite de la Torah, c'est toujours 2 amot sur une ama. Sauf que d'après Rabbi Meir, il y a deux manières de calculer. Ce que je dis une ama, la ama, c'est une coudée. Mais je peux faire avec la main fermée ou avec la main fermée, avec la main ouverte. Et dans ce cas-là, vous comprenez bien que ça va rajouter de la distance. Eh bien, de la taille. Alors sur ça, Rabbi Meir, lui, il nous dit, ben non, chaque ama, elle était calculée avec 6 tfachim. De ce fait, lorsque je dis 2 mètres, 2 amas de long, ça fait 12 tfachim. Lorsque je t'ai dit de mettre une amas de large, ça va nous faire 6 tfachim. Donc 12 sur 6. Par contre, le lechem apanim, orko asara verorko hamisha, par contre, la taille du pain, c'est comme ce qu'on avait appris avant. Yahaz, 10 sur 5. Donc ça va pouvoir, ça va nous faire changer un petit peu la manière de dispatcher le pain sur la table, de mettre les deux séries, on va les mettre toujours la longueur du pain dans le sens de la largeur de la table, donc ça on va mettre deux séries. Mais regardez, puisque le pain il fait 5 de large, donc on va avoir 2 fois 5, or je t'ai dit qu'il y avait une longueur de 12, donc tu vas avoir un espace de 2 tfachim au milieu, et on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec cet espace de 2 tfachim, pourquoi il était là, et est-ce qu'on y posait quelque chose. Donc, Rabbi Meir Omer, Shulchan Orko, Shnemasar, Beruch, Boshisha, la table avait une taille de 12 tfachim, et de largeur de 6 tfachim. Lechem Apanim Orko, Asara, Beruch, Bochamisha, le pain lui-même, du Lechem Apanim, avait orko chamisha, asara, verorbo chamisha, une taille de 10, une longueur de 10 et une largeur de 5. Donc, noten orko keneged rochbo shel shulchan. Bien évidemment, tu devras poser la longueur du pain dans le sens de la largeur de la table, de manière à ce que tu vas pouvoir disposer 6 et 6. Donc, la longueur du pain dans le sens de la largeur de la table. Ve kofel tfachaim mikan ou tfachaim mikan. C'est pas la peine de faire, puisque maintenant, quand tu vas prendre sur une largeur de 6, tu vas prendre ton pain et il va donc remplir la largeur de 6 et il va dépasser donc 4 tfachim, donc 2 d'un côté, 2 de l'autre. Eh bien, ces 2 tfachim d'un côté, 2 de l'autre, tu les replies. Donc ça ne va plus faire qu'on va replier une face de 2,5, mais une face juste de 2. D'accord? Donc, ve kofel tfachaim mikan ou tfachaim mikan ou tfachaim revach vaemtsa. À part ça maintenant, donc comment ça va être? La table elle est beaucoup plus aérée.
D'après Rabbi Meir, on va se retrouver donc avec, dans la largeur, on va se retrouver avec 6 tfachim qui sont remplis comme ça, 2 tfachim qui remontent d'un côté de l'autre, la même chose en parallèle, et il va y avoir un espace de 2 tfachim. Et c'est le Rabbi Shaul, il nous dit, avant Rabbi Shaul, excusez-moi, d'abord Tanakama, de combien tfachim mikan, de tfachim mikan, de tfachim revarbem. Ça, il reste un espace de 2 tfach au milieu, qui déchetait à ruach menachevet benehen. De manière à ce qu'il y ait le vent qui souffle entre eux. C'est-à-dire, puisque tu vas mettre 2 séries de pain, 6 plus 6, je veux qu'il y ait du vent, de l'air qui circule entre les deux dispositifs de pain. De manière à ce que le pain ne va pas se moisir. Il a besoin d'être aéré. Abba Shaul Omer, selon Abba Shaul, Sha'am ayonotnim shnei bazichel levona shalechem apanim. Abba Shaul Omer nous dit, tu sais, je vais apprendre aussi quelque chose. Avec les 12 pains, la Torah nous dit que tu devras apporter 2 basiché levona, 2 cuillères de levona. Il y avait 2 cuillères, des ustensiles spéciaux de Beth-Mikdash qu'il fallait remplir avec la levona. On les laissait, cette levona, tous les Shabbats, on apportait les nouveaux pains, on déposait les nouveaux pains, on posait 2 nouvelles cuillères qui contenaient dedans de la levona, une encense, et on prenait les 12 anciens pains et les 2 cuillères, et on les sortait, les cuillères, on les faisait monter sur le misbéach. On les jetait au feu, c'était comme le comets en parallèle. On avait déjà évoqué tout ça. Et les pains, ensuite, ils étaient partagés entre tous les kohanim. Eh bien, Abba Shaul nous dit, tu sais, les 2 basiché levona, les 2 cuillères de levona que je t'ai demandé de mettre, mais les bidouk entre les 2 dispositifs, selon la mesure de Rabbi Meir, puisqu'on va se retrouver avec une table qui fait 12 tfachim, et tu as rempli, sur toute cette longueur, 5 tfachim et 5 tfachim, tu as mis un espace de 2 tfachim, là-bas, tu as posé les 2 cuillères. D'accord. Là-bas, on posait les 2 cuillères de levona du lechem apanim. Amroulo, Chachamim nous retorque, non, c'est pas possible. La pasuk nous dit que tu devras mettre à la ma'arechet, sur le dispositif du pain, sur les pains disposés, tu devras là-bas mettre les 2 basiché levona, pas entre elles. C'est-à-dire, on insiste sur le al, benatata al amarechet levonazaka. Tu devras mettre sur la marechet la levonazaka, amarlaen. Donc, forcément, tu ne peux pas poser les cuillères au milieu, tu dois les poser dessus, sur chaque dispositif. Là-bas, tu en as 6, tu mets une cuillère, là-bas, de l'autre côté, tu en as 6 autres, et tu poses en haut une cuillère. C'est apparemment comme ça qu'il faudrait procéder. Amarlaen, il aura rétorqué, Abba Shaul, non, velogvar neemar ve'alav maté menaché. Le pasuk nous dit au début de Bamidbar, lorsqu'il nous détaille la manière dont le camp d'Israël était disposé avec les 12 tribus. Alors il y avait marqué, on utilise le premier exemple, il a dit Ve'alav Maté Menaché, et sur lui il y avait la tribu de Menaché. C'est-à-dire on constate de ce pasuk que le mot Al signifie à côté, et pas forcément dessus. De ce fait, lorsque toi tu vas me lire maintenant, il faudra mettre sur la marechet, la kavana, l'intention, c'est pas de dire sur la marechet, mais c'est à proximité, c'est-à-dire que tu le mets à côté. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine, la slacha, kol tov, c'est là.